Bonjour, encore une petite vidéo pour vous présenter aujourd'hui le nouvel aspirateur sur batterie qui est sorti chez Bosch en début d'année. Donc le gaz 18V12MC. Gaz, c'est les aspirateurs, 18V 18 volts, 12 c'est la contenance brute de l'aspirateur. M c'est parce que c'est la classe M, hein, donc il existe trois classes d'aspiration en filaire, hein, L, M et H, en fonction de la dangerosité des produits. Et en filaire, on couvre toutes les demandes. Hein. On couvre, il n'y a qu'une demande que l'on ne couvre pas, c'est l'amiante et les milieux à texte, hein, les milieux explosifs. Et en batterie, on avait de la classe L, mais on n'avait pas encore de classe M. Donc on avait le gaz 18V10L et là, on a le gaz 18V12MC. Donc C, c'est parce qu'il est connecté, on va le voir après. Comme c'est un aspirateur avec lequel on va travailler avec les machines, il a un démarrage d'asservissement pour travailler avec sa machine sur batterie pour qu'il démarre automatiquement, qu'il ait le post-fonctionnement, etc. Donc, si on compare un petit peu à l'ancien, physiquement, il se ressemble un petit peu. La caractéristique principale d'un aspirateur, c'est sa dépression, et donc qui est en millibar. Hein, et pour vous donner une idée de comparaison en termes de puissance d'aspiration, il faut savoir déjà que c'est un aspirateur qui est dit biturbo, donc l'idéal c'est de travailler avec du Procore. Et ce genre d'aspirateur, ce qui est pas mal, c'est comme ça consomme pas mal d'énergie, c'est de travailler avec du 8 ampères minimum. 8 ampères, il y a à peu près 20 minutes d'autonomie. Si vous mettez une 12, vous arrivez à 30 minutes d'autonomie, ce qui est pas mal pour un aspirateur comme ça. Donc les différences en dépression, pour vous donner une idée de comparaison, là on avait 90 millibars de dépression sur le gaz 18V10. L, et là sur celui-là on a 140 millibars de dépression, d'accord? Et un gros aspirateur filaire, pour vous donner une idée, ça fait 210. Donc là ce qui est bien, c'est qu'il n'y a qu'une batterie et on a quand même de la puissance quasiment, pas comme un filaire, mais pratiquement comme un filaire exactement. Et surtout on monte en classe d'aspiration. Donc la classe M, c'est la première classe d'aspiration pour les produits dangereux, on va dire. Donc poussière de chêne, poussière de hêtre, poussière de bois, poussière de plâtre, etc. Et donc ce qui est pas mal sur cet aspirateur, c'est que par rapport à l'ancien modèle où on avait 1,50 m de flexible, là on va avoir 3,20 m de flexible, ce qui va être pas mal parce que quand on va travailler avec des machines, ça va apporter de la liberté de mouvement. Comme c'est un classe M, donc on a un tuyau antistatique de 3,20 m, on a une alarme débit parce que c'est un aspirateur de sécurité, on a un décolmatage, vous allez voir, semi-automatique, ce qu'on n'avait pas sur l'ancien modèle. Et on a et on a ce fameux démarrage d'asservissement pour travailler avec les machines. Donc un petit tour vite fait. Donc le flexible antistatique bleu, comme tous les aspirateurs Bosch qui ont un flexible antistatique. Ici, le module de batterie qui est ici, sur lequel on va pouvoir, par rapport à l'ancien, où on ne pouvait pas mettre du 12 ampères, à part en laissant le capot ouvert, là on va pouvoir aller jusqu'à 12 ampères et on pourra quand même fermer le capot. Ce qui est pas mal, c'est que le décolmatage se fait à chaque fois que vous allez fermer le capot d'aspiration. Chaque fois, ça va mettre un coup dans le filtre et ça va permettre de secouer le filtre sans avoir à le toucher ou à le manipuler en direct, ce qui fait partie de la sécurité, on va dire. Et après, ici, vous allez trouver. Donc, on a bien sûr une sangle qu'on va pouvoir accrocher sur un échafaudage en faisant ça. Tac, on va pouvoir l'enrouler autour d'une tige d'échafaudage. Ici, on a donc le module de connectivité de réception qui est ici. Et ici, on a le choix du mode. Donc ici, je vais travailler en mode aspiration traditionnelle, hein, que si je dois nettoyer. Mais en fait, c'est un mode qu'on va très peu se servir finalement, parce que on va pouvoir travailler avec le module d'asservissement directement pour démarrer son aspirateur sans avoir à aller à l'aspirateur à chaque fois. Donc si je veux connecter mon aspirateur à mon module d'asservissement, donc le module d'asservissement, il n'est pas monté sur le flexible d'origine, donc c'est un module qu'on va pouvoir monter soit sur son flexible, soit sur sa machine. Donc, je vais déjà enlever le flexible pour vous montrer tout ça. Vous voyez un grand flexible de 3,20 m qui va vous permettre de donner de la liberté de mouvement. Ici, c'est un emmanchement qui est à baïonnette. Donc je viens verrouiller ici. On travaille avec des sacs parce que sur la classe M, on va travailler avec un sac. Après, si on fait que des poussières de classe L, on peut travailler sans sac, bien sûr. C'est un aspirateur qui va faire eau et poussière. On a 7 litres de volume pour la poussière et on a 8 litres si on fait de la flotte avec. Ici, donc vous avez ce module-là qui est fourni à part, qu'on va mettre soit sur une machine, soit au bout du flexible en fonction de la machine, hein. Et on a aussi qui est fourni d'origine, vous le voyez,
Le raccord d'aspiration pour travailler avec les machines, hein, parce que il est prévu pour travailler avec les machines. Et on a bien sûr le système click and clean de Bosch. D'accord? Donc quand je vais connecter la première fois mon aspirateur au module, il faut que bien sûr que je le synchronise. Donc pour cela, il faut que je vienne déjà me mettre sur module d'asservissement, ici. Donc là, sur la connexion Bluetooth. Et après, ici, il faudra que je reste appuyé quelques secondes. Et la couleur bleue va flasher. Et il faudra que j'appuie après ici sur mon module pour le synchroniser avec mon module récepteur qui est intégré dans l'aspirateur. Donc pour vous montrer comment ça marche, soit je vais pouvoir m'en servir en appuyant sur le bouton et ça va démarrer l'aspirateur. Et si j'appuie dessus, ça va l'éteindre avec un post-fonctionnement d'une dizaine de secondes. Alors, ce post-fonctionnement, on peut aussi sur le téléphone le régler le temps qu'on veut. On peut mettre 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, on met ce qu'on veut en le paramétrant sur le téléphone. Donc, il faut aller sur l'application Bosch Toolbox et là, on va pouvoir tout régler, on va pouvoir régler le post-fonctionnement. Et après aussi, si on travaille avec sa machine, donc là, je vais faire avec la meuleuse sur batterie ici, hein, donc je vais la clipser dessus. Ici, alors soit je peux le fixer sur la poignée de la machine directement, soit je le mets, moi je le mets sur flexible parce que ça marche bien avec le flexible aussi. Ça évite que ça me gêne sur la poignée. Et là, quand je vais démarrer ma machine, bah, mon aspirateur, pareil, il va démarrer. Et là, j'ai mon post-fonctionnement qui a marché. Donc, comme si je travaillais anciennement avec ma machine filaire, avec mon aspirateur filaire, j'ai exactement les mêmes fonctions, c'est-à-dire le démarrage asservi, le post-fonctionnement. Je peux travailler en mode nettoyage traditionnel, soit en appuyant sur le bouton, soit en mettant en marche forcée ici. Donc voilà à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet aspirateur. Donc n'oubliez pas, c'est un biturbo, donc du Procordre recommandé. C'est de la classe M, donc adapté aux poussières nocives de classe M, comme les poussières de bois en règle générale, les poussières de plâtre, etc. Je peux y aller jusqu'à 12 ampères dans le module pour la batterie. Et en autonomie, avec une batterie 8 ampères, j'ai 20 minutes d'autonomie à peu près, 19 minutes et quelques avec. Donc voilà pour cet aspirateur, donc le GAZ 18V12MC.